Écoute, je m'appelle Mehdi Otmane, on est au KFBC Clichy dans le 92. Je suis entraîneur et ceinture noire de lutte à livrer. C'est la règle dans tous les deux jours, c'est la même. Okay, si vous êtes trop collé, c'est obligé le moins gradé de se déplacer. Okay, si vous ne savez pas qui est le plus gradé, c'est vous le moins gradé. À la base, moi je ne connaissais pas Cédric. Pour être honnête, voilà, je ne m'intéressais pas trop à ce qui se passait en boxe. Donc voilà, je connaissais pas trop le personnage. Et puis un jour, il y a le président du club, Mourad, qui me dit qu'il y a Cédric Doumbé qui va venir à un entraînement. Bah, je dis ok, de toute façon, il y a plein de combattants qui sont déjà venus. Donc voilà, j'étais pas très surpris. Et j'étais surpris quand j'ai vu le personnage, en fait. Il arrive et il me dit voilà, je me présente, je suis le meilleur boxeur du monde. Je me dis ok, cool. Il me dit non, attends, je suis vraiment le meilleur boxeur du monde. C'est pas une blague, dans ma catégorie, je suis vraiment le numéro 1. Donc je dis, bon, ok, il a l'air sûr de lui, je me suis vite rendu compte qu'il était sérieux, mais comme c'est un rigolo, on se rend pas trop compte. Et voilà, il m'a dit, j'ai envie de travailler le sol avec toi, je me suis renseigné voilà, un petit peu dans le milieu avec qui je pouvais m'entraîner, ton nom est ressorti pas mal de fois, donc j'ai décidé de venir m'entraîner avec toi. En plus, on est dans la même catégorie de poids, donc c'est intéressant de travailler ensemble. Et voilà, il m'a précisé, je me souviens même, c'est un truc qui m'avait marqué, il m'avait dit, je veux pas un sol de mec du MMA qui fait du sol ou qui cherche à s'adapter, je veux un sol de mec du sol. Et à partir de là, bah, c'est parti, on a commencé l'entraînement jusqu'à aujourd'hui. Les débuts de Cédric au sol, bah, écoute, bizarrement, ils n'ont pas été compliqués. D'habitude, quand un débutant arrive et qu'il connaît vraiment rien, c'est toujours compliqué, il faut reprendre les bases. Mais je me suis vite rendu compte qu'il avait une capacité d'adaptation, une bonne compréhension. C'est intéressant de travailler avec lui, il comprenait tout. Je me souviens, j'ai le souvenir du troisième cours, où je montrais une technique pour les débutants et une technique pour les confirmés. Et il me dit non mais je suis capable de faire la technique pour les confirmer. Souvent quand on voit les techniques au sol, on a l'impression que c'est facile à reproduire et puis quand on les fait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Et donc je dis ouais, ok, reste sur le truc débutant. Il me dit mais si, regarde, et puis il me ressort la technique vraiment comme je l'ai montré. J'étais vraiment surpris et là je me suis rendu compte qu'il avait une vraie capacité d'adaptation, en tout cas qu'il comprenait très bien les techniques et donc voilà, ça a été vraiment intéressant de travailler avec lui dès le début. remonte, serre-toi pour remonter. Alors, on est fort. Non, fais gaffe, ne pas ton dos. Allez, bras sur le sel, si tu veux. Et en lutte, laisse tomber, il y a deux monstres, trois monstres. Dès qu'il s'il a le malheur que body lock, c'est mort. Je suis comme un enfant, tu sais. Je suis comme ça dans les airs. Pourtant, je mets toute ma vie, hein, mais techniquement et physiquement aussi. Tu sais, tout est dur. C'est un Moldave, je crois. Il est tout petit. Et c'est ça qui fait que si lui, déjà, il galère, quand t'arrives dans une salle où il y a des mecs en haut, c'est pas possible. Et là, il y a les frappes après, tu vois. Mais je le sens que même je suis bien au niveau des contrôles pour frapper. Et puis surtout physiquement. Je vais le frapper au début, je faisais 2 rounds, je suis mort. Et là, pourquoi je suis pas en phase de prépa, tu vois. Ah, c'est parce que, en vrai, tu consommes beaucoup. Ah ouais, voilà, c'est ça. Avant, gros, t'étais une pierre. Je sens même quand je tourne avec toi, tu me laisses quand même tout le jeu, quand même. Mais... c'est moins genre avant je savais pas quoi faire. Ouais, avant t'avais aucun équilibre. Ouais, voilà. Là non, t'as devenu. Franchement. Autant je fais comme avant. Au point gauche, au droit, pour voir si ça s'ouvre pas tant que ça. De toute façon, il n'y a aucun doute, c'est sûr que ça peut. Je sais pas, ma réflexion n'est pas du tout. Vous comprenez du coup. Non, franchement, fais-moi kiffer. Fais sur un grand ça, et pour l'autre, tu mets pour H.O.M. 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 C'est son nom de complément. Pour H.O.M. Ouais, ça s'appelle H.O.M. Ça explique. Ben là on a fait entraînement classique comme d'hab chez Mehdi Otmane, hein. Bon, c'est pas le meilleur coach que je connaisse, mais bon c'est non, entraînement classique, voilà, Mehdi Otmane, KFBC Clichy. Bonne séance là, début de saison, c'est un peu blindé, des bonnes sensations parce que comme je disais tout à l'heure, ça fait quoi, 1 mois et demi que je suis revenu d'Irlande et j'ai fait, on va dire, si je regroupe toutes les semaines, j'ai dû faire 2 mois et demi plein en Irlande et je sens vraiment le travail, l'efficacité du travail là-bas en MMA pur. Et les gens ils pensent que ça fait longtemps que je m'entraîne en MMA alors qu'en vrai j'ai commencé là en Irlande et je sens vraiment le taf. Donc là physiquement, la différence qu'on a constatée avec avant, c'est que physiquement maintenant j'arrive à tenir, je peux même enchaîner 3 rounds de 5-6 minutes. Alors qu'avant je faisais un round, il fallait que je me repose entre chaque combat. Donc là franchement bien, hein. bien. Au début échauffement, après on drill, 2-3 techniques que j'ai envie de tester. Et ensuite ça tourne. Donc voilà, ça va être ça pendant les hors préparation, ça va être que ça. En France j'ai pas vraiment de club de MMA pur. Et une fois que j'ai un combat, ou alors je sens qu'il y a peut-être un combat qui va arriver, c'est là où je vais décoller pour l'Irlande et faire pur MMA aussi. Et ce qui est bien, c'est que là-bas en Irlande, une fois par semaine quand même, il y a quand même ce travail de grappling, sans les gants et sans les mitaines, et pur sol. Mais sinon, la plupart du temps, c'est que du MMA, que du MMA, et c'est très physique. C'est ça qui m'a fait développer ma capacité physique. Allez vous abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche, c'est très important. Tu veux être à l'affût, alors active la cloche.